Ok, les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. On va simplement débriefer le match entre l'Olympique Lyonnais et le AS Saint-Etienne, les gars. Et franchement, les gars, il n'y a pas eu de match. Totalement, les Lyonnais étaient rentrés et Saint-Etienne est passé carrément, mais à côté. Mais quand je dis à côté, c'est on les a défoncés. Mais waouh, 5-0, score final, c'était incroyable. La performance collective de l'Olympique Lyonnais, c'était du monstrueux. On perd 1-0 contre Metz. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, un derby c'est pour se relancer. Mais là frère, c'est un derby pour se relancer, c'est une pente pour rebondir, c'est... Waouh! Attendez les gars, je voulais juste qu'on m'a envoyé. Un derby pour se relancer, t'as une pente pour remonter. C'est exactement ça les gars, il y a... Oh, je sais pas comment dire, mais on s'est remonté. Là on commence à faire peur au PSG. On perd contre Metz dans une victoire qui est pas méritée du tout, parce que Carl Toko Ekambi avait marqué, et je sais pas du tout où va avoir fait action de jeu, mais alors pas du tout. Donc bref, on a perdu, c'est un match où on ne doit plus reparler jamais. Mais c'est bien un match qui doit être dans les archives, c'est celui-là. 5-0 contre Saint-Etienne. Alors oui, vous avez dit en commentaire, oui, mais Aeroc, tu sais, il n'y avait pas tous les joueurs de Saint-Etienne. On s'en fout. Joueur ou pas joueur, t'avais presque tous tes titulaires qui étaient là. T'avais Bouanga, t'avais... Oh Bouanga. Les gars, Bouanga, il m'a fait rigoler. Il est rentré, le mec, il marchait. Comme Messi quand il a pas envie, il marchait. Et quand Kadewere qui fait un crochet, le mec il marche. Quand Kadewere marque son deuxième but, son doublé, toute la défense de Saint-Etienne s'est arrêtée. Ils lui ont ouvert la porte. Pire que la défense de Marseille, ils lui ont ouvert la porte. Bouanga, de toute façon, on va parler des tops et des flops, mais Bouanga directement tu le mets dans les flops. Le mec il est entré mais il a rien foutu. Donc voilà, donc je disais... Amouna, Amouma, je crois que c'est ça, Amouma. Et je me moque pas, hein, je sais vraiment pas le prononcer. Amouma, c'est pareil, le mec, il va s'énerver près de l'arbitre. Alors déjà, mec, tu prends un jaune pour consultation, je suis d'accord. Mais maintenant, on va reparler de Bouanga. Bouanga, les gars, il méritait un rouge. Il a commis une faute, je crois que c'était sur Bruno Guimaraes, il a pris un jaune. Mais je crois que deux fautes avant, je crois que c'était une faute sur Cacré. Ça méritait jaune, ça n'a pas été sifflé. Donc bref. Je vais pas remettre l'arbitrage en cause. Mais voilà, les gars. Et franchement, c'était quel match impressionnant de l'Olympique Lyonnais, les gars. Donc, les buteurs, les gars, on a Tino Kadewere, 16e minute. Marcelo, 36e minute. Mi-temps, 2-0. On revient en seconde mi-temps. Kadewere qui va mettre. Non, attendez. Kadewere, Marcelo, Marcelo, Kadewere. Donc, les gars, Kadewere qui ouvre le score. Il ouvre la boucle. Ensuite, Marcelo marque un but. 2-0 à la mi-temps. Marcelo remarque un but à la 59e et qui referme la boucle? Kadewere. Et ensuite, 90e minute, donc sur le titre, c'est marqué Memphis Depay, donc je ne sais pas. Ça peut être Toko Kambi, ça peut être Bouanga. De toute façon, son match était la merde, Bouanga. Donc franchement, que ce soit attribué à un coup de son camp, je m'en bats les couilles, honnêtement, mec, ça fait ni chaud ni froid. Même si c'est une réaction à chaud, tu vois. Mais en tout cas, sur le site, c'est marqué le but de Memphis Depay. C'est pareil, les gars, Memphis Depay. On l'a presque pas vu, mais chaque fois qu'il touche la balle, il n'y a personne qui peut l'approcher, le mec. C'est comme lui et son bébé, il n'y a personne qui peut l'approcher. Puis les gars, oh là là, ça fait super du bien de revoir Léo Dubois. Léo Dubois comme ça, ancré dans le collectif, il a fait que descendre qu'on trouvait des partenaires. Allô? C'était pas arrivé depuis l'an 14. Tous ces centres ont trouvé une des têtes. C'est pas des conneries, les gars. On croirait qu'ils ont bossé ça à l'entraînement. Coup de pied arrêté, ils ont bossé que ça à l'entraînement, c'est comment? Alors ça commence déjà, Kadewere c'est sur corner, donc là franchement ça fait super longtemps on n'avait pas marqué sur corner, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, coup franc, Dubois Marcelo, 2-0, mi-temps, on recommence, on refait une manita. Dubois pour Marcelo, le doublé de Marcelo, Marcelo qui n'avait pas marqué depuis 2018, waouh! Waouh! Et puis là, pour conclure, le ballon est en profondeur, Kadewere il passe double crochet, allez hop. Il tire, but et Bouanga, tu vois, il est en train de marcher, le mec, en dépression totale. Il nous a fait une Messi, le mec. Incroyable. Et puis à la 92e minute, coup franc par. Je crois que c'était Cacré. On va en reparler de Cacré, mais waouh. Et là, Memphis, il tire. Alors, le tir pour moi, il est cadré. Donc, pour moi, c'est à Memphis. Et franchement, il le mérite son but parce que les gars, c'est incroyable. Donc, franchement, on sait pas si c'est Bouanga, Toko Kambi ou Memphis. Moi, je crois que c'est Memphis et ça lui ferait du bien. Mais les gars, on va revenir. Je vais reparler d'un match qui est avant le match de Metz. Marcelo, il méritait de marquer. Il l'a mérité son putain de but. Mais les gars, alors en ce moment, ceux qui méritaient des buts, c'était Marcelo et Mendes. T'as vu tout ce qu'ils ont tenté, les mecs?
Donc j'espère que Mendes il va marquer aussi, hein. Mais Marcelo il a marqué, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Et maintenant, les gars, si vous voulez, on va passer à mes tops des flops. Il est top. Alors, dans mes tops, les gars, directement, sans hésiter, les gars. Mendes. Au milieu de terrain, il a tout fait, les gars. Il a tout fait. Cacré. C'est pareil. Dans les tops, il a tout fait. Il court, pressing, etc. Il va à droite, à gauche, ou à pressing là, en ballon, rentré, etc. Il était partout. Mendes, Cacré. Et les gars, surtout, Léo Dubois. Dubois. Chaque centre qu'il a fait, pardon, chaque centre qu'il a fait, ça a trouvé une tête. C'était pas arrivé depuis que je crois qu'il est arrivé à Lyon, donc ça doit être en 2017, si je me trompe pas. Chaque centre qu'il a fait a trouvé un partenaire. C'est pas des conneries. Maintenant, on va parler des flops, les gars. Alors là, vous le savez, sans hésiter, Bouanga. Le mec, il est rentré. Directement, action pour Lyon, but. Le mec, il est en train de marcher, genre, frère, il est à l'ouest. Il s'en bat les couilles du match, il est à l'ouest. Alors franchement, rien à dire. Ah, Bouanga dans les tops, dans les flops, pardon. Ensuite, les gars, sans déconner, Amouna, je l'ai pas trouvé. Amouna, je l'ai pas trouvé du tout. Chaque fois qu'il faisait une action, il faisait une faute, le gars. Ou alors, il se prenait la gueule avec l'arbitrage. Oh! Et puis, les gars, je veux pas être méchant, mais Moulin, je l'ai pas apprécié du tout. Puis pareil, le mec à la fin, et ça se voit, il en peut plus, le mec, il frappe ton poteau, il croit qu'il va casser le poteau, mec, c'est bon, ton équipe elle est pas bonne, en plus tu joues, excuse-moi, avec une équipe B, alors on sait que le Covid fait pas trop de choses en France, puis apparemment, avec un reconfinement qui s'annonce, et puis avec les écoles ouvertes, donc je comprends pas les termes, on parlera dans une vidéo d'autres sujets comme ça, mais Moulin à la fin, il en pouvait plus, mec, déjà qu'il est pas bon, il en pouvait plus, c'est incroyable. Alors voilà les gens, maintenant alors je vous parle, l'Olympique Lyonnais est troisième. Donc ça c'est grâce à la défaite contre Metz par mérité. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est troisième avec 43 points. Au-dessus de nous, Lille, 45 points. Au-dessus de Lille, Paris, 45 points. On a 2 points. Et plus on va commencer à jouer à ce collectif, en fait, même si c'est une équipe B de Saint-Etienne, plus on va jouer avec ce collectif, plus on y arrivera les gars. Ça faisait combien de temps que Lyon n'avait pas joué avec un collectif comme ça? Ça fait combien de temps? C'était pas arrivé depuis longtemps, les gars. Donc, bref, si Lille aurait fait match nul aujourd'hui, on serait passé devant eux. Franchement, Rennes méritait de gagner contre Lille, c'était pas à dire. Enfin, bref, j'ai pas tout vu mal, donc je pourrais pas vous dire honnêtement si Lille mérite sa victoire ou pas, mais depuis ce que j'ai vu, Rennes méritait de gagner, mais enfin, bref, c'est pas ça du tout. Donc, au goal average, ça nous donne Lyon 25, Lille 21, Paris 37. Ouais, Paris, on n'en parle pas. Bref, les gars, j'espère juste que pour la prochaine journée, Paris va s'effondrer, ce qui me donnerait clairement parce qu'ils jouent contre Lorient, si mes souvenirs sont justes. Parce que Lorient en ce moment, Lorient, on n'en parle pas, les gars, c'est pas possible, les gars. Et là, la semaine prochaine, c'est Lille qui joue contre Dijon, si mes souvenirs sont justes. Donc, je pense pas qu'ils perdront, mais Dijon qui a fait une performance ex pas exécrable, extrêmement bonne contre qui ils ont joué, Strasbourg. Bref, après voilà. Les gars, j'espère que cette vidéo, ce petit débrief vous aura plu, les gars. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête. Je sais que, je sais pas, je tourne avec une caméra qui est un peu bizarre, qui fait des flous autour de moi. Donc je vais essayer de rectifier ça. Et voilà, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire partie de votre sentiment dans les commentaires. Ciao, c'était Rock. Merci de regarder ma vidéo.